Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui n'était pas prévue à la base. Donc, je tourne actuellement à 25 décembre 2019. Et donc, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. Normalement, j'aurais dû en faire une hier, mais hier, je ne pouvais pas. Donc, là, c'est une vidéo qui n'est pas prévue et c'est un titre qui n'est pas prévu non plus. Alors, on se retrouve, donc, je vais vous présenter tout de suite mon Huawei Y5 2019. Donc, je vais vous présenter en vidéo tout de suite. Allez, tout de suite. Voilà, donc mon Huawei Y5 2019, il est juste là. Voilà, il est là. Donc c'est un Huawei plutôt badass. Donc la coque que je l'ai acheté à part. Enfin, plutôt c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai plutôt eu pour Noël. Voilà. C'est un truc que j'ai eu pour Noël. Donc j'ai voilà, donc la coque, je pense qu'elle était achetée à part parce qu'il était, était pas emballé dans le même carton. Voilà, donc sinon c'était un téléphone plutôt classe. Vous voyez plein de traces de doigts, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de traces de doigts. Je sais pas trop, mais. Donc, quand on allume, ça fait ça. Ça fait cet écran-là. Bon, la photo, elle est un peu pourrie, mais ouais, c'est une photo. Ce qui est normal. Là, là dans la coque, il y a un range carte. Donc, ça, c'est plutôt bien. Bien trouvé. Donc, là, il y a les boutons. Il y a deux boutons ici pour monter le son. Il y a un bouton ici pour appuyer dessus pour refaire ça comme ça. Là il y a dans la coque il y a un petit micro pour entendre quand on appelle. Là il y a les haut-parleurs et sinon on prend des photos comme ça. Là on prend des photos, je vais vous montrer les photos vite fait ce que ça donne. Voilà comme ça, voilà les photos, ça donne ça. Il y a vraiment des belles photos. Là vous voyez pas trop bien, c'est un peu reflété parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière où je suis. Où j'ai pris la photo, il y a beaucoup de lumière, donc c'est un peu comme ça, un peu bizarre, mais vous voyez bien que c'est des belles photos. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là, petit téléphone? Bon, c'est téléphone à 16 Go. En fait, donc vous voyez la batterie là est à 81%. J'en suis servi toute la matinée et j'ai déchargé à 9 h. Donc depuis 9 h, elle a descendu que 20% depuis 9 h. Et là, il est 14 h 30. Actuellement, il est 14 h 30. Donc de 9 h à 14 h 30, elle a descendu que de 20%. Donc moi, je dis que la batterie, elle tient. Donc c'est un Huawei Y5 2019. Donc l'autonomie de batterie, elle peut tenir facilement la journée. Même 24 h, je pense qu'elle peut tenir la batterie. Donc la journée plus la nuit. Voilà, donc là, voilà, il y a bien la marque Huawei qui est marquée là. Voilà, donc maintenant je suis quelques heures de plus, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc le téléphone là il est comme ça. Comme ça, voilà. Donc là on fait comme ça pour déverrouiller. Donc là il y a pas mal d'applications que j'ai déjà installées. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal d'applications qui étaient déjà sur notre téléphone. Donc là il y a ça. Là il y a une petite case avec YouTube, la map et Google et tout ça. Là ici en haut on voit bien la météo. Par contre, j'ai enlevé la ville où j'habite parce que j'ai pas envie que vous sachiez où j'ai dans quelle ville j'habite. Voilà. Donc là, sinon, il y a tout ça, santé, l'horloge, l'agenda, email, bloc-notes, Facebook, Bouygues.com, pour directeur. Donc ça c'est l'application que je fais les montages, où je fais les montages. Donc je vous ferai un tuto là-dessus dans une prochaine vidéo. C'est une application que je fais où je fais les montages. En fait, là j'ai filmé avec ma tablette. En temps normal, j'ai filmé avec ce téléphone-là. Et j'ai filmé avec la tablette. Mais dans la tablette, on ne peut pas télécharger cette application. Donc dans la tablette, j'utilise une autre application pour faire des montages. Voilà, donc là, il y a pas mal de trucs. Donc là, sinon, si on fait comme ça, on peut voir qu'on peut mettre des icônes, qu'on peut rajouter des icônes. On est par exemple au deuxième. Là, on peut rajouter l'email, les musiques, tout ça. Les météos aussi. Mais comme je l'ai déjà dit, ça sert à rien de le mettre deux fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo sur ce téléphone. Moi, bon, ce téléphone plutôt bien, il a bien fait. Donc, je vais vous faire vous montrer le son. Parce que peut-être que le son, c'est pas ça encore, ce n'était pas ça. Parce que le son, je n'ai pas encore testé. J'ai aujourd'hui, donc je n'ai pas encore testé. Donc, je vais mettre par exemple une musique. Vu que c'est Noël, on va mettre une musique de Noël. On va mettre Vive le vent. Vive le vent de Dalida. Voilà.
Voilà, donc il faut voir. Quand sur maximum, vous avez vu que quand on est au max, putain, quand on est au maximum, le son il pète. Voilà, le son il est quand même bien. Quand on est au maximum, le son il pète. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette petite vidéo en votre compagnie. Je vous prie de m'excuser pour cet petit incident. Ma tablette est tombée par terre. Ça va, c'était pas trop haut, mais je vous prie de m'excuser pour cet petit incident. Donc surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça m'a fait plaisir énormément plaisir de faire cette petite vidéo en votre compagnie. On va se retrouver quand déjà? Je ne sais plus. Figurez-vous que je ne sais plus quand on se retrouve. Je crois que c'est le 31 décembre. On va se retrouver pour faire une vidéo que je ne sais plus c'est quoi. Mais sinon, je vais marquer dans. Au moment du montage, je vais marquer ce sera quoi comme prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve le 31. Ah bah non, mais même pas. Attendez. Non, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans 3 jours. Allez, bye.